ba ministre, toza na ba député, toza na ba mandataire, toza na ba animateur ya ba institution. Na mutoki o ya biso, makila o etongo etangamaki, ne biso tozi place nyonso wana. Nos députés nationaux, provinciaux, les ministres, les mandataires doivent se sentir qu'ils sont dans leur maison. Toyokani, parti na biso za journée moko a munene ezali journée commémorative oto zo kanisa ba martyr na biso nyonso oyo bakufaki boyebi bino nyonso ke l'IDPS ebundi bitumba pendant 37 ans bongo bandeko na biso bazikaka bamsusu bakoma bango yango wana lelo tozo commémorer. Maîtriser et l'okwana. Naza pour insister, vous devez respecter nos ministres, nos députés et les mandataires. Baza batu oyo parti et tinda ki ba kende koza la musala. So ki bino boza na posa ya kokuta nana bango, oya et pananga secrétaire général na bino, na potinda bino kokuta nana bango. Oya wa botika bango. Botika bango. Nalobi botika bango calme. Botika bango. Botika bango. Nalingi babilo ko anote. Botika bango.
beaucoup. Sika Oyo, hymne du parti, Biso Banso. L'honorable Jean-Marc Tangotoko Bing Sayawa Ayakoloba
na kosenga bino bapanzi sango batoyo bato bavandi awa bato batelemi liboso na bino baza batu oyo babungisaki bafami na bango bato oyo batumbaki bafami na bango lelo tomonaki ke il était important na niveau ya IDPS d'organiser journée oyo en mémoire ya ba martyr na biso contrairement ya ba oba bandai koloba ke IDPS eza parti ya ba milice ota la ba veuve na ba orphelin batikali liboso na bino bino bo panzi ba panzi sango bomona pasi oyo IDPS tozwa yango tokosenga bango bakende ko s'incliner na esika tobongisaki en mémoire ya ba martyr na biso nyonso oyo tokonaitre avant tokoma lelo na pouvoir na kosenga bino bokreye couloir moko awa po bafami nyonso oyo base dirige bakende kuna oui ki mutaza koloba yango il faut komema ye na CNPP mutu na ye eza kosala bien te yango na boza kozwa to kondane nanu bato baboma bino bato baboma bino tokoki kotikela bango tante bato baboma bino tokoki kotikela bango tante meme soki toza na koalition na bango to aboma bakombata tokotikala kotikela etante toyokani malamu toyokani malamu maloba po mokonzi ya parti azoya koloba siko toyokani banda lelo mutu ayebisa bino te ke IDPS eza parti ya ba violent ou bien ba terroriste toyokani soki mutu aza kolobango azwa nanu charge ba orfele nyonso bouti komona na ba veuve oyo au cas contraire place na ye ezali wapi na CNPP toyokani souhaiter bienvenue na ba visiteur na biso nyonso ba responsable ya société civile ya ba parti politique nyonso baye totondi bino botondi botelema babetela bino maboko boyaki ko compatir na biso mingi na kati wana eza na ebele basala baboloko kapo basexprimaki contre régime oyo elekaki wana toza kosenga bandeko na biso bauti na baprovince baresponsable ya parti les fédéraux qui sont venus de l'intérieur batelema mpe babetela bango maboko Yeah.
Monsieur le secrétaire général du parti, distingués membres de la présidence du parti, distingués membres des comités directeurs de Ligue des femmes et des jeunes, honorables députés nationaux et provinciaux, monsieur le président des comités fédéraux, mesdames et messieurs les responsables des commissions permanentes du parti, chers membres des familles des illustres disparus, combattantes et combattants, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Depuis la création de notre parti en 1982, nous avons choisi la voie de la non-violence. S'il vous plaît, du calme, s'il vous plaît. S'il vous plaît, du calme. Du calme, s'il vous plaît. Voix honorable nous a pris du temps, mais nous a conduit au pouvoir de façon pacifique. Pendant ces longs moments de lutte, notre parti a enregistré un grand nombre de victimes qui sont des martyrs et des modèles. Nous voulons avant tout saluer le famille, le veuve, les orphelins et les amis des martyrs, victimes d'innommables barbaries perpétrées dans ces pays. Leur présence en ces lieux témoigne de la reconnaissance ainsi que de la noblesse de notre cause. C'est aussi les combats qu'ont menés les martyrs en toute conscience et en toute liberté jusqu'au sacrifice suprême. Ce sacrifice n'est pas consenti par l'effet d'un gourou ni d'un endoctrinement nuisible. Ce sacrifice est simplement la conséquence d'un idéal dont seuls font preuve le véritable patriote. C'est pourquoi, debout et unis comme un seul homme, nous le rendons ce jour un hommage bien mérité. En même temps, nous proclamons devant vous le caractère légitime de cet engagement pour la défense des valeurs qui fondent une république. Nous pensons qu'à travers cette journée, par nous instituée et dédiée, l'UDPS ne se déroulera jamais de son devoir et célébrera désormais chaque année à la même date la mémoire de ses dignes filles et fils. S'il vous plaît, je demande du calme. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je demande du calme. Vas-y, président, allez-y, allez-y. Non, non, j'arrête. Viva, viva, je disais que la plupart de nos victimes, c'est la raison pour laquelle nous rappelons qu'ils sont des modèles pour la République. Dorénavant, dans la joie comme dans la tristesse, nous prendrons sur eux l'exemple de courage et de détermination à toute preuve. Leur sens élevé du sacrifice nous inspirera pour toujours. Ils sont avec nous dans ce combat pour la démocratie et l'instauration de l'état de droit éternellement indissociable. Alors, à ceux qui se demandent pourquoi célébrer aujourd'hui nos martyrs et pourquoi pas ne pas le faire hier, la raison la plus évidente, c'est qu'il n'était pas pensable hier d'organiser de tels hommages. Nous étions sous le feu du combat et celui-ci nous
absorber totalement. Nous voulons par ce geste symbolique non seulement réparer cet écart, mais aussi honorer la mémoire des martyrs et, de ce fait, nous convaincre, nous survivons de la nécessité de continuer à tout prix leur combat. Depuis notre prise de conscience démocratique et l'engagement dans cette lutte noble, les chemins parcourus a été long et parsemé d'embûches. À l'instar des enfants d'Israël qui marchèrent pendant 40 ans dans le désert pour atteindre la terre promise, les combattantes et combattants de l'UDPS ont marché 37 ans durant pour parcourir la distance de plus ou moins 7 km seulement, séparant la 7e rue Limité au palais de la Nation. Merci. Un parcours macabre, tant il est vrai que l'UDPS a, dans cette lutte, plus que tout autre parti en République démocratique du Congo, enregistré un nombre important de victimes. Ce parcours riche en couleurs et plein de rebondissements est la preuve indéniable que notre accession au pouvoir aujourd'hui n'est pas le résultat d'un deal politique. Absolument. Elle est par contre riche en couleurs et plein de rebondissements, notre accession au pouvoir est nullement le résultat d'un deal politique. Elle est par contre le couronnement d'un combat reposant sur le sacrifice suprême de nos martyrs. J'affirme donc haut et fort que notre accession au sommet de l'État n'est pas la volonté d'un individu. Pour revenir à nos martyrs, il est important de souligner que le seul péché qu'ils auraient commis, c'est d'avoir eu foi en l'idéal de combat de nos pères fondateurs. Pour ce seul péché, certains ont été tués de sang-froid, d'autres traqués comme du gibier, à l'image de cette effroyable tragédie survenue ici même, dans la nuit la plus sinistre de notre histoire, celle du lundi 19 à mardi 20 septembre 2016, où 7 membres de notre parti ont été sauvagement assassinés. Alors que la pression exercée par l'opposition, l'UDPS en tête, se fut de plus en plus forte, l'adversaire, ne sachant où mettre la tête le jour, se transforma la nuit en bourreau haineux, surprenant ainsi nos vrais combattants dans un moment de repos nocturne. Merci, Président. Ils étaient des responsables de famille, bien sûr. Merci de vous avoir reçu. Ils étaient là parce que convaincus que la vie n'a de sens que quand on défend une cause noble. Ils sont morts pour un idéal de combat. Ils sont morts parce qu'ils avaient une autre idée de la République. Ils ont vécu loin de leur famille les terribles moments d'angoisse que personne d'autre qu'eux ne peut avoir la décence de décrire. Combattantes et combattants, distingués invités, alors que le massacre se commettait sans encombre au milieu de la nuit, réduisant tout en cendres et brûlant vif des êtres humains, un détachement de militaires déguisé en policiers, pourtant longtemps en faction permanente devant notre siège, ne bougea pas d'un seul doigt pour secourir le victime. Une telle attitude de la part de ceux qui sont censés protéger les Congolais est indigne. Elle renforce la thèse d'un crime d'État hautement planifié et exécuté dans le but de choquer la conscience collective, de semer la terreur et de répandre l'effroi. D'autant que ce massacre ne donna pas la suite lieu à aucune enquête sérieuse de la part des autorités de l'époque.
Tout était donc fait pour punir et traumatiser. Ces crimes ignobles, à la fois indescriptibles et imprescriptibles, témoignent de la cruauté et de l'absence de l'humanité de la part de ceux qui, aujourd'hui, tentent de nous donner des leçons. Aigle ! Comment peut-on oser afficher une conscience aussi tranquille après avoir commis de tels massacres? Comment peut-on oser regarder les Congolais droit dans les yeux après des décennies de tueries dont leurs frères, sœurs et amis ont été victimes? Tous ces crimes ont été commis au nom et pour la protection des intérêts sordides d'un groupe d'individus sans foi ni loi. Tous ces crimes sont la preuve que pour ces derniers, la vie d'un être humain ne vaut pas plus que les privilèges que procure l'illusion du pouvoir. Il ne s'agissait pas de la légitime défense de leur part. Il s'agissait plutôt de l'expression d'une haine viscérale. Une haine qui pousse le méchant à tuer pour assouvir sa fureur. Une haine contre les dirigeants de l'UDPS qui empêchent de tourner en rond dans un contexte démocratique. Une haine contre les combattantes et combattants de ces grands partis dont la formation idéologique constitue un rempart pour la République et une forteresse contre les antivaleurs. Les plaies sont encore béantes pour qu'on y remue les couteaux. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Les cicatrices sont encore fraîches pour qu'on en rajoute avec des provocations irresponsables de type identitaire. Toujours la preuve à travers les réseaux sociaux. C'est ici l'occasion pour moi de rejeter avec force les allégations portées par certains médias et sur les réseaux sociaux nous traitant des partis milices ou des partis violents. Ces affirmations gratuites, dénuées de tout sens, ne sont autres qu'une négation de notre combat pacifique. J'appelle donc ces turiféraires à consulter l'histoire de notre parti. Ils comprendront donc que l'UDPS est la victime et non le contraire. Car on ne peut pas être en même temps victime et bourreau. Vraiment. On est l'un de deux. L'histoire de ce pays atteste que l'UDPS a mené un combat pacifique. Par conséquent, c'est elle la victime. Donc, le bourreau, le violent, les assassins sont ceux qui crient à la victime aujourd'hui. Vérité! Dès notre adhésion au parti, nous signons un formulaire d'adhésion qui nous oblige à respecter l'option de la non-violence. Voilà. Alors même que la constitution de notre pays nous le permet, chaque fois que l'UDPS a essayé de manifester pacifiquement pour revendiquer les droits du peuple, nous n'avons eu en face que la répression. La persécution dont nous avons été victimes tout au long de notre lutte a laissé un grand nombre d'entre nous avec des séquelles inoubliables. Combattantes et combattants, nous sommes un parti historique dont la lutte héroïque et glorieuse mérite d'être rappelée à chaque génération afin que se cristallise dans l'esprit de notre jeunesse jusqu'à l'aboutissement l'essence de ce combat noble et légitime. Ce n'est pas parce que nous détenons aujourd'hui une parcelle de pouvoir
que certains doivent croire que notre combat s'est achevé. Jamais. Ce n'est pas parce que nous arpentons les allées du pouvoir qu'il faut penser que notre mission est terminée. Jamais. Mbote, les grands journalistes, na sepela mingi komo na yo en tout moment na étandoyé. Na ko signaler ba opinion nationale et internationale, il fallait boye mettre le lobby soto bien amiawa par rapport aux ezalaki journée oyo en tout moment to banza kamalam. Pona bande ko na biso ba koya na champ de bataille, batika biso. Ata to kabwa na bango na ndenga musuni. Mais na ndenga esprit to ame moral. Yango to partager na bango oyo to bengi longo moko po ete baye baete. Kokufo bakufa ke ezali pona pambate. Po lelo tozomona lelo fachi na ngwende. Ezali bo moko ya lito biso to sala ki biso longo moko na bango. Na koyebisa bango tozala toujours serein. To loba ke ete egyptien oyo tozali komona lobi lobi tokotika la komona bango lisute. Lobi bakoyoko la pe ko nanje. Tango nazoloba wa na yebi bien tozali na abechole azali wana yebi bo moko ya lito oyo tolita sur le terrain. Parce que nous avons partagé le monde qu'on a bandé qu'on a mis sur la diaspora. Bon, où tu coyocas, mais là où tu cobetama. D'ici bientôt, balobi réveil patriotique. Il fallait Tobengi mutumoko a massacré peuple congolais. Toi, tu vois ça na, bah massacre ça la peuple congolais. Il fallait basa la yo umukama. Mutongo ebi kombo na yo tolobaka tout moment. Attends, tu salis coalition na yo. Attends, tu salis coalition. Il fallait basa la yo umukama te. Basale bana mufunga be bana kimbia nani oyebi komo na ye quand même toko sala publicité pona komba mutu musute ipolitika zembere kanambe mona tonto mutwale.